Cabinet, bonjour, bon retour. Merci beaucoup, bonjour à Boakar et bonjour à tous. Et les tympans? Oui, ça va, j'ai repris un peu, je vais juste éviter les casques aujourd'hui pour que ça se remette rapidement en place. Ouais. Parce que les décibels de Banlieue Expo ont failli faire exploser tes tympans. Ouais, j'en ai pris fort dans les oreilles, j'étais avec Monument et bon, lui, je crois qu'il a, il a les oreilles plus solides que moi. Oui, tout à fait. Il s'en est rapidement remis. Ouais. Mais il faut dire que dans le cadre du programme annuel des leaders de la paix, qui est donc une organisation qui réunit les anciens premiers ministres, notamment le premier ministre Jean-Pierre Raffarin et notre champion cabinet Comara, donc rencontré à la faveur donc de l'armistice à la 78e anniversaire commémorant donc le 8 mai 1945. Ouais. Hier, ils ont rencontré donc dans le cadre de leurs activités le premier ministre Macron qui a donc fait le président Emmanuel Macron, ça fait beaucoup de premiers ministres. Oui, tout à fait. Et dans la soirée, il les a aussi reçus à l'Élysée, comme pour dire que la paix est quelque chose de formidable. C'est aussi donc le lieu de reconnaître un peu tout ce travail formidable du premier ministre Comara qui refuse de prendre congé et qui se bat un peu en faveur de la paix. Bien. Donc une pensée à l'ancien PM cabinet Comara ce matin, donc qui reste debout et qui déroule son agenda du côté de la France, donc après ses consultations médicales.